pour la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau, érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'assistance provinciale, en l'occurrence les gouverneurs de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasai, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Kasai central, le Kasai oriental, le Kasai, le Sankuru et l'Lomami. Le Premier ministre Sama Lukonde. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont de manière légendaire caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout, au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public. À la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée, et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leur responsabilité dans la construction d'un vivre ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. À cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieuses et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Le gouverneur du Haut-Katanga